Ce test est difficile. Au moins, j'ai mon téléphone. Attendez, une seconde. Je sens de la tricherie. Ah ah, Alex. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous êtes dans le pétrin. Vous connaissez les règles. J'ai appelé maman. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'ai une idée. Donnez-le-moi. Hein? De quoi parlez-vous? Le téléphone portable. Attendez, il n'est pas là. Vous devez vous faire des idées. Je vous observe, comme un faucon. Phew, il s'en est fallu de peu. Mais je l'ai totalement trompé. C'est juste une photo affichée sur mon téléphone. Je suis un génie. C'était tellement drôle. Hé, soyez attentifs. Les mathématiques ne sont pas censées être agréables. C'est vous qui le dites. Psst, Sunny, regarde ça. Waouh, c'est vraiment cool. Vroom, vroom. C'est une belle voiture. Bip, bip. De belles compétences en matière de conduite. Je n'ai même pas de permis. Que se passe-t-il ici? Donnez-moi ça. Pas de plaisir en classe. Oups, désolé. Plus de bêtises. Je ne plaisante pas. Oh, ça me plaisait comme jeu. Attrape, Sunny. Tiens. Joli lancé. Continue. Allez, hop. Intercepté. Qu'est-ce que j'ai dit? Reste cool. Il ne se doute de rien. Encore une égalité. C'est la 20e fois de suite. Les ciseaux battent le papier. Je ne manque jamais mon coup. Mon avion est prêt à décoller. Waouh, ça monte en flèche. Attention. J'ai essayé de te prévenir. Je ne me sens pas très bien. Je suis désolée, c'était un accident. Attends, cela me donne une idée. Tout d'abord, j'ai besoin d'une feuille de papier. Je vais découper des zéros et des croix. Je peux les mettre de côté. Ensuite, je prends mon bloc-notes et j'y collerai une grille. C'est un jeu de morpion. Cela permettra de passer le temps. C'est parti. Je commence. Je suis un pro en la matière. Ne sois pas si sûr de toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Une leçon très intéressante. Merci, je fais de mon mieux. C'est bien. Un peu d'ombre ici. Je crée un chef-d'œuvre. Oh, j'ai cassé mon crayon. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles toujours? C'est tellement ennuyeux. Heureusement que je suis toujours prêt. J'ai toujours un taille-crayon à l'intérieur. Le voici. Il est déjà bien rempli. Je ferais mieux de le vider. Tu ne veux pas faire plus attention? Sérieusement, je crois que je suis plus fort que je ne le pense. Bien sûr, si tu le penses. Mais cela ne résout pas mon problème de crayon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, c'est bon. Alex, qu'est-ce que tu fais? Je taille mon crayon. N'est-ce pas évident? Non, pas vraiment. Cela n'a pas fonctionné. Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Il le mérite. Pose la batte! Oh, tu as probablement raison. J'ai un plan B. Non! Que dois-je faire? Laisse-moi t'aider. Tu peux utiliser ceci. C'est la réponse à tous mes problèmes. Je vais te montrer, crayon. Il sera joli et pointu. C'est tellement plus facile. Merci, Sunny. Tu devrais peut-être te calmer, Alex. De quoi tu parles? Je pense que ça suffit. Il y a des copeaux de crayons partout. Il est hors de contrôle. Plus, plus. J'en veux plus, tu m'entends? Je pense qu'il a un problème. Cela commence à devenir bizarre. Attendez, je peux peut-être utiliser cette bouteille. Ouais, je sais ce qu'il faut faire. J'enlève le bouchon et fais un trou dedans. C'est la taille idéale. Ensuite, j'ai besoin de mon pistolet à colle. J'applique de la colle autour du trou. Ensuite, j'y colle un taille-crayon. Je vais attendre qu'il accroche bien. Ensuite, je remets la bouteille au-dessus du bouchon. C'est exactement ce dont il a besoin. Alex, arrête! Tu dois essayer ça! Une bouteille vide? Attends, il y a un taille-crayon à l'intérieur. Je vais essayer. Souhaite-moi bonne chance. Elle recueille tous les copeaux. Merci, Sunny, tu es la meilleure. Top là! Ouh, je ferais mieux de la vider. Qu'est-ce que... Ouais, c'est mieux comme ça! Cela fait beaucoup de nourriture confisquée. Mais les règles sont les règles. Rien ne m'échappe. Ouh, mon ventre gargouille. Je prendrai peut-être un petit encas. Personne ne le saura jamais. Le chocolat. C'est tellement bon. Oups, j'ai failli laisser tomber mes bonbons. Oh, ce n'est pas bon.
je ferais mieux d'aller en cours. Et j'ai intérêt à avoir l'air intimidant. Ne bouge pas. Tu sais qu'il est interdit de manger en classe. C'est une zone sans snack. C'est du chocolat sur votre visage? De quoi tu parles? Mais je ne permets toujours pas la nourriture. Ce n'est pas juste. Cela aurait pu être une méchante chute. Attendez, mes collations! Cette journée ne fait qu'empirer. J'attendais le moment de les manger avec impatience. Je ferais mieux d'aller les ramasser. Regardez ce gâchis! Il y a des oursons en gélatine partout sur le sol. Attendez un peu, regardez ça! Le soleil fait fondre les ours en gélatine. Laissez-moi voir ça. Cela me donne une idée! Je vais enlever la gomme de mon crayon. Ensuite, j'insère une paille, comme ceci. Je coupe l'excédent. C'est à peu près la taille qu'il me faut. Maintenant, je vais prendre une bougie allumée. Je ferai fondre un ourson en gélatine sur la flamme. Ça sent bon. Je veux qu'il se transforme en liquide. Ensuite, je verse le délicieux jus de gélatine dans la paille. Je ne veux pas le renverser. Je vais attendre qu'il se solidifie. Bonbon gélifié secret. Oh ouais, c'est encore toi. Je n'ai pas de nourriture. Ces chips sont si bonnes. Ouf, ça a marché. Je pense que je mérite une récompense. C'est si savoureux. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Miam. Jasmine, par ici. Oh, quoi? Donne-moi ta bouteille d'eau. Pourquoi? Tu vas voir. Je comprends pas trop. Je vais remplir ce récipient d'eau. Ça devrait suffire. Passons maintenant à la partie amusante. Il est temps d'ajouter l'ingrédient mystère. Je plaisante, c'est une sorte de sable spécial. C'est parti, vous êtes prêts à en prendre plein la vue? Waouh, regardez-moi ça! C'est pas possible, c'est vraiment génial! Comment t'as fait? Essayons avec une autre couleur. Il suffit de verser le sable dans l'eau, c'est alors que la magie opère. La science est étonnante. Mais je n'ai pas terminé. Prenons une cuillère. Vous ne devinerez jamais ce qui va se passer. Regardez, ça redevient du sable! C'est fou, non? Mélangeons les couleurs. Regardez ça. Je pourrais y passer toute la journée. C'est de la magie! Je n'en crois pas mes yeux, mais ça me plaît grave. Je vais faire une vidéo. Vas-y! Je vais essayer de le récupérer. C'est tellement bizarre! J'étais sûre que ça te plairait. C'est l'heure d'aller en classe! Oh, salut Cheryl! Jasmine, regarde ce que j'ai! Waouh, t'as trop de chance! J'ai une poupée, moi aussi! Attends, je vais te la montrer. Ma poupée a besoin des meilleurs accessoires. Elle a même le plus beau manteau du monde. Oui, c'est joli, mais attends de voir ma poupée. Fais pas attention à la sucette. Elle est à moi. C'est tout? Ma poupée est beaucoup plus élégante. Oui, je vois ça. Ma poupée aurait bien besoin d'être relookée. Et regarde ses adorables bottes. Elle pourrait faire un défilé. Elle est tellement glamour. Elle a de plus jolies chaussures que moi. Peu importe. Au moins, j'ai mon parfum. Je me sentirai mieux. Je vais t'en mettre un peu aussi. J'ai toujours su que tu aimais les animaux. Attends, que fait Jasmine? Je pourrais peut-être utiliser ce vernis à ongles. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais te faire de nouvelles chaussures. Oups, l'ours est tombé. Waouh! Mets-toi à l'aise. Je vais recouvrir le bas des pieds de ma poupée avec le vernis à ongles. Je veux m'assurer que je n'oublie aucun endroit. Ensuite, j'attends que le vernis à ongles sèche. Cette lampe UV accélérera les choses. Je pense que c'est bon. Il me faut maintenant du scotch transparent. Je l'enroule autour des pieds. Ensuite, il me faut le vernis à ongles. Je vais utiliser le pinceau pour peindre l'intérieur du scotch. Je fais tout le tour. Ensuite, je la remets sous la lampe. Jette un coup d'œil. Je peux enlever le scotch. Le vernis à ongles a durci. Et il ressemble à une paire de talons. Mais je n'ai pas encore terminé. Je vais mettre du vernis à ongles sur cette feuille de plastique et y enfoncer les talons. Comme ça, ils auront une semelle plate. Je crois que j'ai fini. Waouh! Des chaussures sur mesure. Mais rendons-les encore plus élégantes. Je vais enfoncer une aiguille dans le talon. Et je vais le remplir d'huile. Passons maintenant à la partie amusante. Je vais y injecter du colorant alimentaire. Il se mélangera à l'huile et ça fera des petites bulles à l'intérieur du talon. Un peu comme une lampe à lave. Essayons-les. Waouh, elles sont parfaites. Les chaussures sont faites, mais... Ma belle, tes cheveux sont tout emmêlés. C'est pas très joli. J'adore ces chaussures. Tiens, tu peux prendre ma brosse. Elle en a bien besoin. Merci, Cheryl.
C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est déjà beaucoup mieux. C'est vrai, mais elle a besoin de nouveaux vêtements. Prends cette robe. Je pense qu'elle serait très jolie avec. Tiens, je pense à un truc. Que dirais-tu de lui donner un ami à fourrure? Vas-y, prends-le. Vraiment? T'es sûre? Bien sûr, on est amis. Waouh, c'est très gentil. Allez, on les emmène se promener. C'est une excellente idée. Waouh, t'es trop belle. Tu te déchires, ma belle. Et j'adore tes chaussures. C'est vraiment amusant. Il faut qu'on fasse ça plus souvent. Bienvenue au cours d'informatique, les enfants. Commençons, voulez-vous? Ceci est un clavier composé de touches. Passons maintenant à la partie la plus importante. Répétez après moi. 1, 2, 3, go! Bien, je vais distribuer des ordinateurs portables. Jetez-y un coup d'œil et familiarisez-vous avec. Ce cours est bizarre. Je te le fais pas dire. Il va falloir faire avec. Voilà pour toi, Cheryl. Waouh, cet ordinateur portable est très coloré. C'est vrai qu'il est pas mal. Et voici le tien, Jasmine. Il doit y avoir une erreur. Burk, il est tout cracra. Oh, trop dégoûtant. J'espère au moins que ça me vaudra une bonne note. C'est pas un ordinateur portable, c'est une plaque d'égout. Fais la maline, t'as déjà entendu parler du karma? Oh là là, c'est de pire en pire. C'est tellement poussiéreux. Oh, achoum! Oh, ça va mieux. Toute cette poussière me donne des allergies. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Le karma m'a rattrapée. Désolée, c'était un accident. Et moi qui pensais que j'avais l'ordi le plus sale, je vais le nettoyer un peu. Là, c'est mieux, hein? Vous devrez donc vous familiariser avec certains boutons. J'ai rédigé ces notes pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Sérieusement, j'ai une idée. Je vais rendre ce cours un peu plus intéressant. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une feuille de papier. Je vais y dessiner l'alphabet. Chaque lettre a son propre style. Maintenant, je vais les colorier. Je ne dois pas dépasser. Ça va être magnifique. Je vais faire la même chose avec le reste. Je vais utiliser des couleurs différentes pour que ce soit plus joli. Et je vais combler les trous avec de l'encre noire. C'est en train de devenir un cours d'art plastique. Mais ce n'est pas pour me déplaire. C'est très amusant. J'ai presque terminé. C'est le dernier. C'est pas mal. Maintenant, je vais les découper. Ensuite, je vais les mettre sur mon clavier. Pour ça, je vais me servir d'une pince à épiler. J'ai mis de l'adhésif au dos du papier. C'est pour ça que j'utilise la pince à épiler. Sinon, elle risque de se coller n'importe où. Je les place sur les lettres correspondantes. Et je recouvre tout le clavier. Waouh, regardez ça! Qu'est-ce que c'est coloré! Je vais l'essayer. Ça mérite un A. Hein? Oh, il faut que je vois ça de plus près. Excellent travail, Jasmine. Oh, hé, par ici! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien faire le mien? Je te paierai. Marché conclu. Merci. Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? T'as pas autre chose? Ah, je vois. Qui peut résoudre ce problème? Personne? Et toi, Jasmine? J'espère qu'il y a une autre Jasmine dans cette classe. Donc si je les additionne et puis... Non, j'y arrive pas. C'est pas si difficile. Hé, tu peux m'aider? Waouh, c'est pas facile. 1, 2... C'est bon, j'en ai marre des maths. J'ai bien mieux à faire. Waouh, regardez ça. C'est plus amusant. De toute façon, ça sert à rien, les maths. Je veux dire, personne ne les utilise. Tout ce travail m'a épuisée. Je vais peut-être me reposer les yeux une seconde. Hé, la belle au bois dormant, réveille-toi. Je pense pouvoir t'aider. Regarde ça. Que se passe-t-il? Réveille-toi tout de suite. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu dormir dans ma classe? Viens résoudre ce problème, sinon... D'accord, je vais faire de mon mieux. Mais je suis pas convaincue. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Un peu d'aide? Débrouille-toi. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. J'y aurais déjà répondu. Je suis pas douée sous la pression. Eh bien, nous t'attendons. Dépêche-toi un peu. Bon, allez, il faut que je me concentre. Enfin! Maintenant, sois attentive. T'as compris? Waouh, c'est super facile! Quoi? Où suis-je? Ok, c'est parti. Elle semble confiante. Je vais commencer par tracer des lignes. Chaque ligne correspond à un numéro. Je dois maintenant tracer 3 lignes horizontales. Ensuite, j'additionne les points qui se croisent. Je commence par les 3 premières lignes. J'en ai donc 9. Ensuite, il y a les lignes sous le 2. Ça fait 6.
Et enfin, la ligne est toute seule. J'ai la réponse. J'ai réussi. Pourquoi n'ai-je pas demandé à l'intello de répondre à cette question? J'y crois pas, t'as trouvé? Pensez-moi, je rêve! Bravo, Jasmine, bravo! Merci. Vous pouvez applaudir. Waouh, c'est un génie! Je savais que tu pouvais le faire! Je dois passer un coup de fil. Vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Oh, Jasmine, elle a réussi! Je suis tellement émue, si vous saviez! Jasmine, je suis Matthew, le journaliste. Vous êtes en direct à la télévision nationale. Vos fans veulent connaître tous les détails. Eh bien, fantastique, maintenant un mot de votre professeur. J'aimerais remercier ma mère, mon père, j'y serais jamais arrivée sans eux. Chut, j'essaye de travailler. T'es vraiment une intello. Peut-être que si tu prêtais attention, tu réussirais les examens. Manger des bonbons est bien plus amusant. Hein? C'est quoi ça? Des bonbons dans ma classe? C'est quoi ça? Un verre? Ah! Et maintenant quoi? Je t'ai eu! Oh, allez! Doremi! Ok, je suis prête! Oh oui, bien sûr! Je n'ai pas besoin de beaucoup de maquillage. Je suis naturellement belle. Je vois ça. On va mettre un peu de rouge à lèvres. Attends, j'ai un appel. Sérieux? Bonjour. Tu plaisantes? Il a fait quoi? J'arrive. C'est l'heure du spectacle. On doit y aller. Oh, d'accord, bien sûr. Attends, je ne peux pas sortir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, maquilleuse, reviens! Quel désastre! Allez, j'y vais! Ça ne peut pas être si difficile. Jusqu'ici, tout va bien. De qui je me moque? Je ressemble à un clown! Ok, je vais essayer d'une autre manière. J'espère que ça va marcher. Ces cours de yoga ont vraiment porté leurs fruits. Ouais, je sais. Je vais la voir. Ce n'est pas ce que tu penses. Quoi? On va en avoir pour un peu plus longtemps. J'essaye de me maquiller! Waouh, pas si vite! On doit pouvoir faire quelque chose. Génial, il y a un fil qui pend sur ma veste. Attends, on peut peut-être utiliser ça. Ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais frotter le fil sur le rouge à lèvres. Il doit être complètement recouvert. Maintenant, je vais faire un contour autour de tes lèvres. Faisons la lèvre inférieure. Ensuite, nous allons remplir les lèvres. Voilà, c'est fait. Waouh, c'est magnifique! Je ressemble à mon poster. Parfait. Comment ça? Le spectacle a commencé? Mindy est avec moi! Allez, bouge-toi, bouge-toi! Allons-y! Quelle belle journée! Oh, voilà un bon endroit pour s'asseoir! Waouh, c'est magnifique! J'aime bien être dans la nature. Oh, un mignon petit écureuil! Salut, petit gars! Oh, je pourrais te peindre! Ne bouge pas! Oups, c'est passé tout près! Désolée, j'en ai pour une minute. Je peux peut-être m'appuyer sur le banc. Attends. Non, ça ne va pas. Je n'arrive pas à être à l'aise. Pourquoi c'est si dur? Oh, c'est tellement frustrant. Oh, cette pizza a l'air délicieuse. Je peux t'aider? Ah, salut. Je peux avoir cette boîte? Je peux te payer? Bien sûr. Mais pas la pizza. Génial! Je peux acheter plus de pizza. C'est mon jour de chance. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vais utiliser ça pour tenir le couvercle. Puis je vais mettre mon panier dessus. C'est comme un chevalet d'artiste. Maintenant, je peux te peindre. Oh! Oh! Je peux peindre la fille de la pizza. Ça a l'air super bien. Mais les portraits sont tellement difficiles. La pizza, c'est vraiment la nourriture parfaite. Hé, tu as été un super modèle. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es en train de me peindre? Je peux peut-être jeter un coup d'œil. Je vais rester ici, sans bouger ni faire de bruit.
Incroyable! Je n'y crois pas! C'est un chef-d'œuvre! Waouh! Tu m'as fait peur! C'est toi! J'espère que ça te plaît! J'adore! Tu crois que je pourrais te l'acheter? Oui, bien sûr! Merci! Tu es une véritable artiste! C'est trop gentil! Oh mon Dieu! Waouh! Regarde ça! Hein? Oh, salut Mindy! Tes chaussures sont trop mignonnes! Tu dois me dire où tu les as trouvées! Laisse-moi t'aider! Waouh! J'ai failli oublier! Qu'est-ce que tu penses de mes chaussures? Waouh! Elles sont très jolies! Je suis tellement jalouse! Oh, tu es si gentille! Elles vont vraiment bien avec mon haut! Salut les filles! Cette couleur est vraiment magnifique! Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont tes chaussures? Quelle tragédie! Elles sont vraiment moches! Je ne mettrai jamais un truc pareil! Je sais, tu as raison! Elles me plaisent! Elles vont bien avec tous mes vêtements! Bref! C'était quoi ça? Je crois que j'ai marché sur quelque chose! Oh! C'était un crayon! Je ne peux pas utiliser ça! Ou si? Je vais leur montrer! J'ai besoin de crayons! Je vais les utiliser pour améliorer mes chaussures. Je vais mettre de la colle sur les crayons, seulement sur un côté. Puis je vais le coller sur le talon de ma chaussure. Je vais faire la même chose avec le reste des crayons. L'idée, c'est de couvrir tout le talon. Je vais utiliser des crayons plus grands pour faire le tour du talon. Voilà le dernier! Waouh, elles sont joliment colorées! Ajoutons un peu de couleur à cette chaussure. Je ne dois pas oublier l'autre. Qui a besoin d'aller acheter de nouvelles chaussures? J'ai hâte de les mettre! C'est parti! Plus tard, j'irai faire du shopping. Tu devrais venir! Oh mon Dieu! Regarde ces chaussures! Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Elles sont belles, hein? Fermez la bouche, sinon les mouches risquent de rentrer dedans. Waouh! Fais geler de l'eau au fond d'un verre. Retire le glaçon. À présent, prends ton matériel de peinture. L'heure est à la créativité. Peins le glaçon directement. Tu peux bien sûr utiliser différentes couleurs. La peinture va s'étaler d'elle-même à mesure que le glaçon fond. Les couleurs vont commencer à se mélanger. Continue à ajouter de la peinture. C'est très relaxant, tu verras. Et les effets sont très sympas. Finalement, le résultat est assez plaisant. Bon, je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Hein? Pourquoi mon stylo ne marche pas? Il n'y a plus d'encre. Toujours au bon moment. Bon, tant pis. Hé, Sophia? Tout va bien, Luna? Mon stylo ne marche plus. Tu pourrais m'en prêter un? Bien sûr, je crois que j'en ai un autre. Il doit être là, quelque part. Non, ce n'est pas ça. Attends. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh là! Il y a tout un tas de trucs là-dedans. Il faudrait vraiment que je fasse un peu d'ordre. Attends, j'ai une idée! Je sais exactement comment mettre de l'ordre dans mes affaires. D'abord, je vais placer un élastique autour de ma pochette. Je vais en mettre quelques autres. Comme ça, je peux ranger toutes mes affaires dans les élastiques. Et je peux même en mettre à l'intérieur. Comme ça, tout est au même endroit. C'est plus facile de s'y retrouver. Pas mal, non? Et voilà ton stylo! Hein? Quoi? Ah oui! Merci! C'est génial! Je faisais un si beau rêve! Cette évaluation est trop nulle! Ah bon? Moi, je l'aime bien! C'est parce que tu es une intello! Et si on s'amusait un peu? Hé! Cesse de faire l'enfant! Oh, j'adore cet exercice! Oh, au secours, sortez-moi de là! Hé, mais attends une minute! Hé! Oh, quoi encore? Regarde ça! Je vais frotter mon stylo sur ma manche et faire tourner le bouchon autour. À
l'air impressionnant, n'est-ce pas? Waouh, c'est de la magie! Je peux essayer? Il me dirait que ça n'a pas marché. Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Peut-être qu'en frottant un peu plus. C'est parti! Non, je n'y arrive pas! Ah, je sais! Réfléchissons, comment ça peut marcher? Mince, j'allais oublier la gravité. Avec la rotation de la Terre, ça nous donne... C'est bon, je sais! Retentons l'expérience. Ce n'est pas magique du tout. Gna gna gna! Oh, silence dans la classe! Désolée! Oups, grillé! Sophia, je te vois, tu sais! Oui! Je fais mon exercice! C'est la dernière fois que je vous le dis! Hein? Où est passé mon stylo? Je ne suis pas partie pour avoir une bonne note, on dirait! Enfin, rentrée! Quelle journée! Le temps est maussade! Je ferais mieux de ranger ce parapluie. Oh non! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Oh, heureusement que j'ai une lampe torche. Voyons d'où vient le problème. Oh oh! Ce n'est pas bon! Il vaudrait mieux pas que ça se reproduise. Mais comment faire? Peut-être que cette bouteille en plastique pourrait être utile. Il est temps de se mettre au travail. Pour cette astuce, il faut une bouteille en plastique vide. Et c'est parti! Découpe les deux extrémités de la bouteille. Répète l'opération avec une deuxième bouteille. Mets les bouteilles l'une dans l'autre. Puis place encore une bouteille plus petite à l'intérieur des deux autres. C'est parfait pour les jours pluvieux! Oh! Salut Sophia! Salut! Tu as vu ce temps? Il pleut des cordes! Non! Attends! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Utilise ça plutôt! Place le parapluie à l'intérieur des bouteilles. Ça évite qu'il y ait de l'eau partout. Comme ça, l'eau s'écoule au fond de la bouteille. Et voilà! Waouh! C'est super pratique! Attention! Oups! Désolée! Bon, je retourne chercher la lampe. Entrez! Bonjour, vous vouliez me voir? Je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons un problème. Regardez ce que Sophia s'amuse à faire en classe. Je ne suis pas d'accord. Oh, ça alors? Ce n'est pas de ma faute si on s'ennuie. Cela doit cesser. Veuillez m'excuser, j'ai un appel. Allô? Sophia, je suis très déçue. Je reviens tout de suite. Enfin, il est parti. Tu veux faire une partie? Hein? Attrape un stylo, on va s'amuser. Sérieusement? C'est bon! Oh non, je ne risque pas d'écrire grand-chose. Laisse-moi réfléchir. Il doit bien y avoir quelque chose dans le coin. Je vais dessiner la grille sur un carnet avec du scotch. J'en mets une autre à côté. Puis deux à l'horizontale. Ensuite, je prends quelques trombones. Et c'est pince à courrier. Ok, je commence. Vas-y, c'est à toi. Oh, c'est génial! Je vais mettre mon trombone ici. Bien tenté. Joli blocage. Ça devient tendu. Essaye encore. Ici. Ouais, j'ai gagné. Doucement, il ne doit rien savoir. Que se passe-t-il? C'est elle. Il est temps que je prenne des vacances. Oh, allez, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je t'aime, Madame Licorne. C'est tout bon! La maison est à nous! Ouf! Commençons à emballer les affaires. Tiens, chérie. Je vais me débarrasser de ça. Très bien. Je vais commencer par là. Oh là là, il y a tellement de choses. Range tes jouets, ma puce. Hop, dans la boîte. C'est l'heure de la sieste. Toi aussi, je ne veux pas t'oublier. Plus qu'un bout de scotch et ça fera un premier carton prêt à partir. J'ai fini, maman. Je peux avoir le scotch, s'il te plaît? Tiens, voilà. Où est le bout?
Oh non, il est collé! Tout va bien, Sophia? Oh non! Maman, au secours, je suis coincée! Ne bouge pas! J'arrive! Et voilà! Attention, ça pourrait faire mal! C'est bon! Merci, maman! Bien, remettons-nous au travail. Une seconde. Ça pourrait être utile. Comment faciliter le déroulage du scotch? Voici l'astuce. Passe un lien de serrage dans le trou et serre-le vers l'extérieur. Puis coupe ce qui dépasse. Ça devrait être plus facile. Tiens, maman! Je vais mettre du scotch sur le carton. Enfin, je vais me servir du lien pour le couper. Tiens, ma puce, essaye! Oh là là, je ne suis pas sûre d'y arriver! Regarde, maman, j'y arrive! C'est génial! Tu es une grande aide, ma chérie! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh oh! Je crois que j'ai un petit souci! Quelqu'un pourrait m'aider? C'est le déguisement parfait! Cible en vue! Pourquoi? J'ai tout essayé, ce n'est pas juste! Hé! Hey, est-ce que cette plante vient de me parler? Par ici! Moi? Viens par là! D'accord! Assieds-toi! Désolée, mais cette plante ne veut pas me lâcher! Quel est le problème? J'ai échoué à mon évaluation! Je peux t'aider! Tiens, jette un coup d'œil! Waouh! C'est un A? Hop, hop, hop! Ce n'est pas gratuit! D'accord! Waouh! Merci, drôle d'inconnu! Mais comment tu t'y es prise? Eh bien, je ne devrais peut-être pas te le dire, mais... Tout ce dont tu as besoin pour n'avoir que des A, c'est un crayon géant! À l'aide d'une lame, on découpe la gomme en triangle, ensuite on lui donne la forme d'un A, on trempe la gomme dans la peinture rouge, puis on tamponne la feuille. Alors tu vois, c'est facile! Waouh! Cette astuce est géniale! Je m'en souviendrai, merci! Oh, ce sont mes amis! Les filles, regardez ça! On peut tout avoir un A! Vite, pousse-toi! Les affaires sont florissantes! Assieds-toi! Voilà! Oh, merci! C'est une super affaire! Par ici la monnaie! Salut! Waouh! Où est mon argent? Merci! Quelle est votre meilleure astuce pour l'école? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.